Coucou, la célèbre, la fameuse soustraction à retenue. J'espère que tu t'en es bien sorti la dernière fois, car la leçon est parfois un peu compliquée de la soustraction à retenue. J'essaye d'aller doucement pour que tout le monde comprenne bien la technique. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur cette soustraction à retenue et nous allons avancer un petit peu. Comme ça, tu connaîtras tous les secrets de la soustraction à retenue. Allons-y. Pour commencer ce matin, je te propose celle-ci. 385 moins 148. Tu te souviens du premier réflexe à avoir ? Est-ce que cette soustraction est possible ? Oui, car le nombre d'en bas est plus petit que le nombre d'en haut. Commençons. 5 moins 8. 5 moins 8, 5 moins 8, je sais que ce n'est pas possible, car je ne peux pas enlever 8 choses lorsque j'en ai 5. Je vais donc installer la fameuse petite ruse de la soustraction à retenue. Je place une dizaine à côté du 5 et je place donc ici mon 1 plus dans la colonne d'à côté. Attention, j'ai choisi des nombres à 3 chiffres pour te montrer qu'effectivement la deuxième partie de la ruse c'est bien dans la colonne d'à côté et non pas dans celle d'après. Allons-y, ma ruse est installée. Je répète, 15 moins 8. Je n'arrive pas à compter à rebours, je connais maintenant la technique. Je pars du 8, la main fermée, et je compte. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 7 doigts. Je continue. 8 moins 5, 5 puisque 4 plus 1 ça fait 5, 8 moins 5, je compte avec mes doigts, 5 la main fermée, 5, 6, 7 et 8, 3 doigts. Et enfin, 3 moins 1, retirer 1, ça c'est facile, j'arrive au nombre qui est juste avant, c'est-à-dire le 2, mon résultat 237. Passons à la soustraction suivante. Il s'agit toujours d'une soustraction avec des nombres à 3 chiffres. Toujours la même chose, petit réflexe, je regarde si elle est possible. Et oui, elle est possible puisque 293 est bien plus petit que 618. Alors allons-y. 8 moins 3. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les soustractions à retenue qu'il faut me coller des retenues partout. Donc attention, il faut faire fonctionner ta tête. 8 moins 3, est-ce que c'est possible? Est-ce que si j'ai 8 bonbons, je peux en manger 3? Bien sûr. Donc je vais calculer. 8 moins 3, soit je compte à rebours, soit je compte avec mes doigts. Je pars du plus petit, la main fermée, et je compte avec mes doigts jusqu'au plus grand. 3, 4, 5, 6, 7... et 8. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. 1 moins 9. 1 moins 9. Mais je ne peux pas faire ça. Tiens, me voici à être obligée d'installer une ruse cette fois dans cette colonne-là. Je vais faire pareil. Je mets une dizaine à côté du 1 qui devient donc un 11. Et pour équilibrer, je mets ici mon 1. Plus. On y va, on compte la colonne des dizaines. 11 moins 9, je compte avec mes doigts. 9, la main fermée. 10, 11, deux doigts. 6 moins 3. Pourquoi 3? 2 plus 1, ça fait 3. 6 moins 3, dis donc, on a appris les doubles. 3 plus 3 égale 6, donc 6 moins 3 égale 3. La réponse, 325. Troisième soustraction, ça se complique, mais je suis persuadée que tu vas bien comprendre. 913 moins 487,
premier réflexe, elle est possible. Nous commençons par les unités. 3 moins 7. Le nombre d'en bas est plus petit que celui d'en est plus grand que celui d'en haut. Je ne peux donc pas calculer, je ne peux pas retirer 7 dans 3. Donc j'installe une ruse. Une dizaine, le 1 plus à côté du 8 et je calcule. 13 moins 7. Avec mes doigts, 7 la main fermée, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, ce qui fait 6. 1 moins 9. 8 plus 1 font 9. 1 moins 9, 1 moins 9, mais je ne peux encore pas. Mais je vais installer une autre ruse encore. Mais oui, autant de ruses que tu veux. Je place donc un 1 à côté de l'autre 1, ce qui me fait maintenant 11. Et je n'oublie surtout pas de mettre ici la deuxième partie de ma ruse. Ouh là là, ça devient compliqué, mais pas tant que ça quand on sait le faire. 11 moins 9. Je pars du plus petit, la main fermée. 9, 10, 11. 2. 9 moins 5. 4 plus 1 égale 5. Je pars du plus petit, la main fermée, je compte jusqu'au plus grand. 5, 6, 7, 8 et 9. Ce qui fait 4. Lors de cette soustraction, nous avons dû installer deux fois la ruse pour pouvoir la calculer. Et enfin, dernière soustraction. 724 moins 691. Cette soustraction est possible puisque le nombre d'en bas est plus petit que le nombre d'en haut. Je commence par les unités. 4 moins 1, c'est possible. 4 moins 1, ça fait 3. 2 moins 9. 2 moins 9. Est-ce que quand j'ai deux choses, je peux en retirer 9? Non, j'installe ma ruse. Une dizaine à côté du 2 pour le transformer en 12 et mon 1 plus à côté du 6. Je compte maintenant ma colonne des dizaines, 12 moins 9. Si je ne trouve pas, je fais avec mes doigts, je pars du plus petit, je remonte vers le plus grand. 9, 10, 11 et 12. 3 doigts. La colonne des centaines, 7 moins 7, puisque 6 plus 1 égale 7, 7 moins 7. Pourquoi je t'ai mis cette opération? Pour te dire que lorsque le résultat ici, dans la dernière colonne, est 0, on ne l'écrit pas. Pourquoi? Si je l'écris, regarde, c'est un peu bizarre. Tu connais un nombre à 3 chiffres qui commence par un 0? Non. Donc, autant ne pas l'écrire. Dans ces cas-là, lorsque la dernière, je parle bien de la dernière colonne, lorsque la dernière colonne, son résultat est 0, eh bien, on n'écrit rien. Voilà, je te dis à bientôt. Bonne chance, car tu vas en avoir à faire dans ton cahier de classe.